Attaque des hélicoptères de la MONUSCO par les éléments négatifs du M23 opérant à l'est de la République démocratique du Congo. Les bilans font état de 8 morts parmi les casques bleus. Quand est-ce que la paix sera enfin restaurée en République démocratique du Congo? La RDC, le pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait son intégration à la communauté économique d'Afrique de l'Est. Quel apport pour la République démocratique du Congo? Avec quel impact cette intégration de la République démocratique du Congo à la communauté économique d'Afrique de l'Est? On en parle, mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live Télévision, et bienvenue encore une fois de plus à votre émission dernière minute qu'on a le réel plaisir de recevoir ces jours Maître Patrick Tinda, qui est cadre au sein du MLP, c'est parti politique, cher Franck Diongo. Patrick Tinda, mbote na yo. Mbote, ndeko mopanzi sango, mbote na bayimboka, bana somi ya ekolo, bino bayebanso, bopalangani na mokili mobimba. Na pesi bino mbote, na koprofiti, na emisyon na yo, na pesa mbote, na per politik, ya mwana mboka, Maître Patrick Tinda, soki ya juli baku ya kulanda emisyon uyu, mwana mboka, Franck Diongo Samba, héros vivant, soldat du peuple, bozongi bolamu na mabele ya bakoko na yo, puisque zaki na mobembo, santé bandaki ko dérangé, na tombelié, bozongi bolamu na mabele ya bakoko na ye, na kopesa pe, mbote na ba MLP banso, ba cadre tout comme ba militant. Na yo pe, mwana mboka Maxime, na pesi yo mbote, et puis merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Maître Patrick Tinda, cadre du MLP, et à Franck Diongo. L'Union sacrée, au bien-être, les alliés plateformes, les alliés regroupés, bah, acteurs politiques, bah, l'objet, bah, sauver écolo, bah, bongisa, mboka, bah, répondre tant soit peu, n'a pas bah, desiderata, n'a pas bah, problème auquel fait face la population congolaise. Ça, fait débat, mon amboka, à Patrick Tinda. Cette attaque surprise, il y a hélicoptère, il y a MONUSCO, cette mission onisienne, où il y a pour na appeler n'amboka la biso, ma position, il y a M23, auto et baguette et basili, auto et baguette et basali défait, mais basili quoi attaquer, hélicoptère, il y a casque bleu, 8 morts, à bord, il y a cet hélicoptère. Est-ce que ils allaient guerre du sous-souté ou vivre avec un groupe où ils allaient qui défait en 2009? Merci. Moi, Namboka, je pense que il y a un peu banda koloba na ko présenté bongo, ma condoléance, na bande ko banso, oyo ba oui. Et bandeko na aussi na famille ya bandeko banso nga kina lo ba famille ya bandeko banso ba we aussi na famille ya bandeko banso o ba ko continuer ko wa na partie est ndeko journaliste na la ndi motuna na na bokebi eloko na koloba biso ba i congolais soki to kozwa conscience te tukubanda ko beko sala be mission tukubanda ko beko lela puisque jusque là jusqu'à preuve du contraire non notre juste conscience té kozwa ka bongo conscience de ko journaliste
ekotali sama na bikila. Bikila nde wana ekolakisa ete bato oyo bazwi conscience ya maye makokomela bango. Ndeko journaliste, toko continue kolela jusqu'à quand? Un grand pays comme la RDC, avec autant de populations, tu vas continuer à aller jusqu'à quand? Moi, je pense que ma cambo est que ça, la partie est. Aujourd'hui, c'est la MONUSCO qui tombe victime. La MONUSCO qui tombe victime, oh, tout le monde qui a été politique, qui a été peuple, qui a MONUSCO été, va changer même leur tactique opérationnelle, qui a observé, qui a une observation participative. Je pense que les journalistes, Olingi, Mungi, Sangai, Makambo, mais je pense que c'est un symbole, mais tout le monde dans la partie est, et que Singate tout continue à plernicher. Tout identifia déjà banani oyo bazali à la base il y a un massacre que ça la mana partie est. Mais tant que tout continue à lela, alors que les journalistes nous devons défendre Mabele Bakoko, nous devons défendre Monyele Moyekolo, les journalistes Tika na ebisa ete moini a comprendre déjà que tous ali faible. Est-ce que na eleko ya kono mobutu na eleko ya zayi omonaki maye to komona lelo ete moto ya ko menacer azali bongo faible et bekolela lela ndeko sala ete massacre continue et MONUSCO oyo bisto ko iko konté na yete tala ibango moko ba ko babandi ko wa to iko konté na bango te comme MONUSCO zali MONUSCO c'est la biso nyoso non et la MONUSCO n'est pas là pour défendre pour nous défendre bosengaki hein bosengaki ozaki parmi les grands nombres c'est ce que je suis en train de dire la MONUSCO n'est pas là a changé tactique a changé politique n'ayons ça comme ça là. On ne peut pas seulement demander à MONUSCO. Nous devons prendre nos responsabilités. Il faut toujours avoir responsabilité, Nabisso. Tout le temps, la recrudescence. Tout le temps. Est-ce qu'on ne peut pas, nous-mêmes, prendre nos responsabilités en main? Au lieu que Zéla, MONUSCO, que Zéla, Batomissoussou, Bisso, Moko, Toiko, Kozo, Makamou, Nabisso, Namaboko. Qu'est-ce qui nous manque? On doit se poser des questions. Et là, qu'on n'y est qu'au Senga, pour être tous. Tous à la mesure de défendre Bongo, Monyele Moyekolo. Comment vous allez interpréter Patrick Tinda? Comment vous allez personnellement vous allez interpréter le fait que le 1-23, oh ben bah, il est mort, c'est 1-23. C'est Rimon Komuneke 1-23, Bakoti, Bazuvi, la Goma, après Bazongi. Négociation est à main. Bakor, ils allaient signer. Ben 1-23, bah, déclara à haute et intelligible voix. Qu'ils ne vont plus reprendre les armes. C'est un groupe qui était totalement mort. Les lots, ils refèrent surface. Ils ont attaqué l'hélicoptère, il y a MONUSCO, et puis il y a des morts. Comment vous allez interpréter Senwana, tout le monde, son théâtre, ou c'est quoi? Comment vous allez interpréter Patrick Tinda? Les journalistes. Omoni yangona koyebisa yo makambo oyo tokomona ekosenga ba étude moko approfondie tout se mettre autour d'une table tout réfléchir comment faire pour que tout silisa naibisho ki adversaire a comprendre que tous ali faible qui est l'adversaire autant l'adversaire mais l'adversaire bisho sotoyebi lelo yo ba moni des militaires basalaka arrêtés. Il y a armée régulière. Il y a Rwanda. Ndeko journaliste. Bon, mais tout na n'y a ko pesa. Bandeko wana minduki. Po ba sala maiba ko sala. Tout na. Je crois que on avait déjà identifié
les pays on va aller à la base il y a maitoko maimako salama na munyele mwa ekolo et déjà ces gens des pays tout ko continue na qui a mitié na bango alors il fait que kata déjà qui a mitié Vincent Karega na basile ko yambaye boko la lobby est pas ministre affaires étrangères il y a lobby été ce ne sont pas des militaires rwandais des basile qui ko identifier bango parce que leur numéro numéro matricule na bango bazwa ki wana ils allaient correspondre là où ils allaient kuna Rwanda té il faut croire qui croire maintenant à ces partages yaba vous pensez que Karega ou kotanga ko mwana cet ambassadeur pouvait accepter facilement même moto va kangier la main dans les sacs ba wanga naka toujours est-ce que vous pensez qu'il va accepter facilement na yebisaka yo na émission moko ake guerre ko sala mana parti est ezali guerre moko cyclique et guerre wana ezali na ba donc les loyo ko talisama tango ba lobi ba bay et laissez-moi vous dire que ils allaient d'emblée te balobi te ils allaient ba militaire au bazali l'armée régulière ya Rwanda les preuves sont là qui attestent cela mais tango yo mopandi sango o yonga nazali na limemia o ko ndima mai karega koloba moi ça me tente de partager l'information vous allez il se défend et c'est normal à se défendre mais bandeko oyo bakboyi na ba militaire wana ba kamati bongo ba preuve o etalisie te bazali ba militaire ya armée régulière à Rwanda on ne peut pas croire comme si c'était une parole d'évangile maikarega koloba ndeko journaliste je pense que nous devons arrêter de pleurnicher on doit arrêter de pleurnicher et adversaire a yebi ke bato na bazali na embargo basomba osomba ba armée te et bazali makasite et un petit pays comme le Rwanda vous menace et vous êtes tenté de pleurnicher ça c'est je sais pas comment est-ce que Robert Dango ko pleurnicher ko lela mais nous sommes en train de pleurnicher ezali nous sommes en train d'être est-ce que c'est politique quelle stratégie nous politique que ezali adopté peut-être par là c'est quoi la politique démocratique du Congo au baloba était avant au attaquer ceux qui au moni ennemi na yo il faut approcher oye baba faiblesse na oye baba point fort na et ça fait ça doit nous prendre combien de temps des journalistes je pense que moi na mboka Félix à toi tu le botsi qui dit à ko diriger kolo biso ba IMLP au ton dima ki ko mbela na ye to pesa maboko là nous sommes on était vraiment des optimistes to kongo koma ba pessimistes puisque si ma ko ni mbela na ye ya ko luka ko pesa ba stratégie ndenge ni mais si ma mo botali to moni était même ba ye biso to loba ki na ye ba recommandation to pesa ki ye à Koyokate, à Kousala. Est-ce que, Nico Patrick Tinda, avant même d'arriver à la conclusion, Anna, est-ce qu'il ne faut pas douter premièrement à la sincérité de ma partenaire, de la République démocratique du Congo? Ce ne sont pas le partenaire qui joue des tours de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, avec sa bonne volonté, avec sa bonne foi, de bien faire des choses, de bien collaborer avec le partenaire. N'est-ce pas, dans la situation où vous allez comme on a, notamment sur le point sécuritaire, ce sont le partenaire qui joue des tours dans la République démocratique du Congo. C'est ce que je suis en train de dire, des co-journalistes. Je vais prendre un exemple à Rissi. Rissi a joué au sérieux. Ce qui concerne sa défense. Et nous, Bissoubaï Congolais, nous devons aussi, puisque nous sommes un pays menacé, nous devons aussi prendre au sérieux ce qui concerne la défense. Notre défense, comme nous sommes un pays menacé, nous devons. Ce qui est au monde a été. Bisbaba na ba biloko yo ba organisation to ko kende ko ingela
Et que ça l'a été, par exemple, le conseil de sécurité, le pays a toujours affaibli. Est-ce qu'on ne peut pas quitter? Nous devons peut-être quitter l'organisation Misusu. Nous ne pas quitter là. Moi, l'organisation comme ma moto ingeli et comme ma moto ingeli, dès que ça l'a été, collé comme au faible, n'est-ce pas commis? Parce que les gens qui sont tous allés en embargo, tous sont armés, armés. Alors que tous allés pays menacés, on ne peut pas partenaire. On ne peut pas compter sur ses partenaires. Nous devons compter sur nous-mêmes d'abord. Mais il faut douter de la capacité de ses partenaires. Ils ne sont pas sincères. Ils ne viennent que pour leurs intérêts. Ils sont là que pour leurs intérêts. Nous devons regarder notre intérêt. C'est quoi notre intérêt? Notre partenariat, nous sommes ça là. Surtout comme on a été. Ma partenariat, tout comme ça là. Ils ont dit, ma partenariat, moko sincèreté. Est-ce qu'on ne peut pas, tout kata ma partenariat, tout kata ma partenariat, nous devons prendre, on doit se mettre autour d'une table, tout réfléchir par rapport, il y a ma immense, tout ça là, ma namounie, les moyens cool. Bande de la mission, la basalani. Les lobbies m'a tenu sur bande de l'équipe nationale alors qu'il y a des gens bande de l'équipe nationale. Et tout ça, vous pensez que tant que bande de l'équipe nationale est là, vous pensez que l'école est longue. Et échec, wana. Il y a échec collectif. Hein. Il ne faut pas que tout le monde tribune la moto. Non, il y a un échec collectif. Tant que parti à l'école, bande de l'équipe nationale est là. Bako kima, bako mitura to salanini, et kote moussous bako zela ba sepila. Vous pensez vraiment que même bako konabiso, ou yu bawa bako tala, vous pensez que bazani nasai? Nous devons nous poser des questions et approfondir qu'est-ce que nous devons faire. On doit se mettre, les Congolais doivent se mettre autour d'une table. Autour parce qu'il y a des gens qui sont à l'interne, qui sont en train de financer. Toyoka Awa, qui a même des députés, au Bazali à la base, il y a des groupes armés. Et l'Elo, M23, et c'est quoi? Et Koufa qui est un moment, tout le monde est c'est quoi? Qui est à la base de M23? L'Obiloko, c'est un Rwandais qui est derrière ça. L'Obiloko, il y a des Congolais qui sont des mèches avec les Rwandais pour attaquer la République. Tant que tu as douté par rapport à la sincérité, aussi qu'on évoquait le fait que nos partenaires ne sont pas sincères, les partenaires de la RDC. Tu as le Rwanda comme. On ne peut pas qualifier le Rwanda comme cheval de Troie, par exemple. Nassons, il y a assez net ce moment avec Makamweta, les synchronisations ou mutualisations. Des opérations entre la RDC, l'Ouganda, le Rwanda pour les traques de ces rebelles négatifs opérant à l'est de la République démocratique du Congo. Le fait que le Rwanda contribue à la mutualisation, Anna, est-ce qu'il y a un cheval de trois T dans la scène où ils allaient couler Anna? A Tinda Bato, pour la Bato, n'est-ce pas le Kilende Bissot? Moi, Namboka, je pense que. Maïto, comme on a. À l'époque, il y a Kondo, Maréchal, tout ce qui est là, comme on a pour RDC à sécuriser ma frontière, na ye, et que Senga, moi, mutualisation, moi, je salam. Tout ce qui est là, comme on a yangote. D'ailleurs. On parle de l'ennemi commun. Par contre. Avec d'autres pays. C'est ce que je suis en train de dire. Par contre, ma militaire, je suis même que des fois, on a un peu de moi, je pense que. Na ebele o biso tozali lelo e ko senga te mutualisation e salama. E ko senga bongo te, e ko senga biso moko tozwa to prendre conscience. To prendre conscience soki ko senga to longwa na ba masanga ou e ko sala ete ba pekisa biso alors que tozali un pays menacé, je crois que c'est ce que nous devons faire. En même temps, bon, bah, c'est ça le plus important. Bah, minéro, bah, c'est ça, qui... Mais c'est ça. Ah, c'est, bon, c'est ça. Mais pourquoi bah, c'est Mindou qui va On doit arrêter de pleurnicher. Nous sommes un pays autonome. La RDC, c'est un pays autonome. Le mal pour nous, ils allaient, il y a un yingela, il y a
ma organisation ça qu'on réfléchit na ba conséquence ça qu'on pousse ma raisonnement un peu plus loin. C'est ça le plus, c'est ça la la grande question, c'est ça le grand problème. To ingela kabe ko ingela na ba loenge sans que ça la ba étude moko approfondi na boingeli na lisanga songolo pakala RDC ko bénéficier na nini et le fait pour nous ya ko ingela conséquence ko za la nini to réfléchir ça kabilo ko na te et loko ye boingeli oye ko ya boingeli et yango to ko sibi mais si ma yabo ingeli, so ki bo moni ete, ko ingelo biso to ingela ki na lisanga songolo pakala, makambo yko tambo la malamu te. Soit, ekolo na biso, eko sibi bongo prejudice, eske, to yko kata te, emoraji wana, e, la, ba, mboko bako atake biso ba yebi, ils savent pertinemment que nous sommes un pays faible, on n'a pas assez d'armement, on n'a pas assez de militaires formés. Et raison pour laquelle, au moins à qui est le coq, il y a M. Kabila, Batonio Soba aussi dit Sabitoumana Est, si ma ami Kolomike, ou Goka Babomi Bango. Motoak aussi dit Sabitoumana Est, Balongolie, Batindie, na Sika Moussou. Moi, dans le régime, il y a Kondo Kabila. À l'époque, il y a M. Kabila. Kabila Kabangi. Comment Motoak aussi Sabitoumba? Ko tia kimia na est si ma mikolo muke oko ka balongolie batindie et si ko bitumbezalite et de ko journaliste et si ma mikolo muke oko ka moto na kufi ba empoisonné. Je crois que il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose de flou na est ko eko eko s'est passé avec la complicité interne de bien sûr que oui na bi sakayo seko complicité interne ezali ba congolais to linganité. Tolingalité yango komona lelo oyo ki ndumba ya somo na na milieu politique ba les hommes politiques congolais ne sont plus les modèles pour la plupart. Hier avec Mobutu, avec Kabila, aujourd'hui bango nyoso basopani les kabilistes disant aujourd'hui sont devenus les tshisekedistes disant plus que les tshisekedistes eux-mêmes et aujourd'hui les tshisekedistes sont négligés au détriment de ces gens-là. Donc, Transhumance Mogo et Kosalana Sony, des journalistes et Okumona Bafundi Moto, à Kotina Boloko, à Bimia Kimimbang, à Kekwa Degena IDPS, à Kumituna IDPS, à Kumi Blanchisserie, ou des journalistes. Non, pas si. Moté ma passe. Pas de Patrick Tinda, Nakoyo Kayo, les coupables. L'agresseur est déjà identifié. Depuis. L'agresseur est connu. Au-delà du fait que politiquement, il y a quoi, Madoué, ennemi, il y a Roussa, Makamou. On est à même ces jours, il y a qu'on déclarer guerre maintenant face à cet ennemi, cet agresseur qui est identifié, qui est connu. Sommes-nous capables maintenant, aujourd'hui, de déclarer la guerre? N'agresser Rwanda ou de stopper, de supprimer la coopération pour rappeler même ambassadeur Nabiso Azalikouna à Bango Akende, est-ce qu'on est apte, on est capable d'entamer ces processus avec cet agresseur qui est déjà connu? Monsieur le journaliste, d'abord, ce qui est le plus important, Ezali, pour sécuriser d'abord ma frontière Nabiso. Tous les gens militaires. Mais ceux qui ont été militaires, tous les gens ont quitté pour nous sécuriser. Mais nous devons recruter. Nous devons former. Nous devons faire un effort. Ceux qui ont été en train de se faire, ils sont en train de se faire dans le conseil de sécurité. Ils sont en train de se faire. Puisque Batouana bako kota na frontière, Batouana bako yawana bako kota na frontière, mais ceux qui frontière la chose est allée sécuriser. Une frontière poreuse. Ceux qui allaient vraiment sécuriser comme il faut, je pense que Moutouakou Mekabouing est la terre. Bako yé ba été
tous les bons passoires, tous les monnaies les moko na ba frontière moko passoire. On monte avec au côté ni monter mané ligne à salut monter mané ligne. Tous les na routure ou alikali ba. Ce n'est pas seulement dit que il faut te déclarer guerre. Non. Ce n'est pas seulement dit faut te déclarer guerre. Renforcer les FARDC. Nous devons renforcer les FARDC. D'abord, Bidia Malunga toi loué na défense et toi. Si s'agit à recruter ma militaire, tout recruter ma militaire, tout pèse ça ma formation et longo bani, tout à la 6, ce qui est que Senga était tout longo na na ba comment ba structure, ni ce que ça a été miso tout son ma armée et je crois que c'est le plus important à faire. Pour que tout le monde soit sous ma arme pour nous sécuriser. Comment tu as une structure où tu as une sous ma arme? Et si tu as une arme, tu as une arme. Est-ce qu'il ne faut pas poser des conditions? Poser des conditions à la communauté internationale qui profite aussi de nos richesses. Hein? On ne peut pas les imposer qu'avant la richesse, bon, il faut une arme. Parce que si tu as une richesse, tu as une arme. Mais ce monde, la richesse, vous avez que ça va armer. Vous avez la minorité. Embargo depuis jusqu'à ce jour. Embargo, vous avez levé. On est agressé de partout dans la frontière. Mais pour nous imposer, il faut que vous avez la casse. Vous avez dit que 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 presque nous, tous les locaux, nous avons un peu de temps pour nous. Et pour nous, comme Russie a ça. Vous connaissez le service national avec Moussé Laurent-Désiré Kabila, où la République a ça qui a une autonomie. Moi, oui, service de Bilanga, du loco, vous allez côté à Bilanga, vous allez côté à Bilanga, vous allez côté à cantine populaire et Tiamaki. C'est ce que est-ce que ce sont des initiatives aussi à adopter? Nous sommes en auto, c'est suffisant. Parce que nous sommes tous les gens qui et pour nous, nous avons un peu de temps et nous avons quand même une certaine indépendance. Mais l'indépendance, nous avons une autre. Et moi, je pense que nous devons peut-être que solo là, ce qui est que nous avons un peu de il y a des pays où bakota kana ba ni na conseil de sécurité ni na ba na ba bangumba songolo pakala ba oyeko bima mais biso nous sommes partout. Nous sommes partout, c'est ça là maintenant la conséquence. Et ces gens-là, au Bakilaka, Babiloko, c'est pour manipuler les pays africains. C'est tout simplement pour nous manipuler. Et tant que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que par exemple, dans le Conseil de sécurité, vous avez dit que 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 vous plein de conditions. Et le fait pour vous, il y a pour signer, il y a pour ratifier, c'est que vous limitez ma condition. Et la raison pour laquelle aujourd'hui la République ne peut pas acheter les armes, tout allez sous embargo. Et je crois que ce que nous devons faire, ce que la République doit faire, ils allez, il y a pour Luka, pour Magnola, pour Tala, si possibilité, il y a pour quitter ma organisation, Misusu. Et au Tala, qu'est-ce que nous devons soit au Pessimo, au Talissi, Bango? Na comment on a beaucoup de gens qui voyagent. Mais en ce qui concerne l'embargo, est-ce qu'il ne dit, pas à ces gens-là que nous sommes un pays menacé? Beaucoup de gens tout le temps il est à l'extérieur. Est-ce qu'à quoi ça? Bande quoi naté que République et puis bande est-ce que bah il est LD? Puisque tout ce qui se passe ici, n'a pas information partout, bah tu vas aller informer. Bah, il y a que la République démocratique du Congo est un pays menacé, un pays où il y a aussi un acte de vandalisme à tout moment. Mais est-ce que, il y a un lobby, tout le monde qui a été pléniché, nous devons, dans ma organisation, on a un talis sabago et nous devons être fermes. Au talis sabago, que nous sommes un pays menacé, nous devons sécuriser ma frontière, ma mission. Nous devons acheter les armes. Vous devez nous permettre d'acheter les armes pour que tout sécurisé. Bato oyo bako attaquer miso. Ma arme, on a tous posé ma question. Bah on va jouer en haut. Parce que miso, tout est gossombaté.
mais bao yo ba ko attaquer biso ba ko utana ba arme wana wapi au moins te que politique moko ezali wana. Donc si on continue à pleurnicher comme ça, je crois changement moko ko za la tête ou benganga tout le temps tout ça la raka mes missions puisque to ko joa conscience té na maimaso ma ko le kana parti est. Avant de passer au dernier sujet de cet entretien de Patrick Tinda, où viendra les secours de la RDC ou quel sera le déclic pour changer la donne dans la situation qui prévaut à l'Est? Déclic, Zali, nous devons identifier, puisqu'on a déjà identifié, les gens qui sont à la base, il y a l'atrocité, il y a ce que ça, dans la partie Est. Et après avoir identifié, nous devons voir qu'est-ce que nous devons faire. Qu'est-ce que nous devons faire pour éradiquer. Tout ça, aujourd'hui, dans l'état de siège, mais tout comme on a été, même état de siège, aux alaki, parmi ma stratégie, aux alaki, prise, mais tout comme on a été aussi maté. Mais on doit peut-être changer les stratégies, tout passer peut-être dans l'étape supérieure, Des gens qui nous dirigent sont là. Ils ont des conseillers en matière de sécurité, il y a défense. Et on a tout un ministère de la défense. Il y a une école, Moussa n'y a pas ça. Ce n'est pas à nous de venir. Moi, personnellement, je suis là pour proposer. Puisque il y a des gens bien proposés. Bien, On n'a plus rien à proposer. Je crois que bato oyo il y a des gens oyo bandima qui que mon peuple a pèsa la mon mandat pour ba sala makambo ma ewana. Et na ko ndima ka mission wana ba nommer bato oyo ba ko zo mbo chaque mois ba ko futa des conseils en matière. C'est que plusieurs conseils sont là. Et biso donc, tu as la bango na miso. Maître Patrick, tu n'en es pas conseiller, soit ministre de la Défense. Non, ils sont là. Bah, yebi, nino, bah, ça, là, puisque tu l'as mis, tu l'as mis. Tu l'as mis sous tes. Tu peux suivre ma stratégie, dingue, ni, bah, ko ça, là. Mais je crois, moi, n'a pas maître Patrick, tu n'as pas une stratégie, mon côté, à couper sa bango. Bon, bah, on lit à miso, l'école. Bah, qu'on fout ta main. Poète, bah, pèse sa bongo, bah, conseil, oui, l'ongo, bah, ni. Bah, ça, là, yango. Et bientôt 2023, peuple a rejugé. Puisqu'on ne peut pas continuer à pleurnicher comme ça. Un grand pays, un pays continent, avec autant des populations, on ne peut pas continuer comme ça. À pleurnicher, continuer à pleurnicher. Je crois qu'il y a même des volontaires. Bon, bah, l'ingi, bah, compte en armée. Pour bah, défendre mon école, ou Bazali. Il faut défendre vraiment. Les volontaires sont là. Nous avons déjà un groupe hein, de jeunes volontaires qui tournent pour une formation militaire afin de donner un coup de pouce à la FARDC et à Bisso pour vraiment tout vaincre un groupe rebelle. Mais il peut y avoir des volontaires. Il peut y avoir des volontaires. Mais soit ils ont besoin de quitter. Merci beaucoup. Parlons-en à présent, Maître Patrick Tinda, intégration et Salamaki, Mokolo et Lobby, la cérémonie et Salami par visioconférence avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'intégration de la République démocratique du Congo dans la communauté économique d'Afrique de l'Est. Est-ce que c'est avec satisfaction ou qui intégration on a dans la communauté économique d'Afrique de l'Est tout au monde qui est avec nous va dans nous tout côté dans la communauté la structure on a dit. De quoi journaliste là où tu vois mais avant vous évoquer mon tour là mais sur RDC tous allés pressés à quoi qu'on adhérer, qu'on ratifie, donc ouingi là, na ba organisation yonso, mais il y a moi-même il y a ouingi li, tout pousse à raisonnement un peu plus lointain.
On moi, parle de facilitation, il y a pas transport, facilitation, échanges commerciaux entre ces pays. C'est l'un de, il y a pas avantage au, évoqué. Non, échange, par à cette intégration. Échange ou en abissotoko. Il faut total la péter. Biso République démocratique du Congo et l'okonini au bissoto tomé magaramboka ya bapaye. Nous devons aussi voir, puisque Babilo ko mingi ko salama wana, ba organisation mingi ko salama, il ko profiter vraiment na RDCT. Ba to misu sene ba ko profiter na RDC. Mais biso moko to ko profiter vraiment te na ba mangomba Babilo ko ko salama ya mike mike ba organisation. Puisque la RDC avec autant de kilomètres de terres arables, tout ça les lagayangote et on ne fait que comment qu'importer nous sorte ou qu'exporter tout on fait qu'importer donc ça pose problème on doit voir avantage na bicho zalini ce qui baoyo basali ba étude avait été tondi makoyingi là ce ba moni été RDC ko bénéficier et ça sera on sera le bienvenu mais ce qui que RDC ko bénéficier to ingila la babilo ko bila notamment le ko la CAC ou tozali un CAE et Afrique de l'Est mon tozali qui na union africaine. Est-ce que c'est pas aussi une façon pour la RDC de vendre aussi son image en intégrant des différentes structures sous-régionales? Depuis qu'on a déjà intégré, imaginez tout ce qui est malam. Depuis que nous avons intégré les différentes structures ou organisations, et là qu'on a une obligation de tout ce qui est malam, imaginez qu'il y a malam aussi tout ce qui. Tout ce qui est à Qatar, à Expo. Pour le bien. Tout ce qui est à Expo, qu'on a à Qatar, à Dubaï. Des journalistes, tout ce qui est à l'école. Culture. Nous devons tout ce qui est à l'école, on a mis ça. Tolinga ekolo et je crois ce n'est pas que des gens sages et intelligents bazangi na ekolo bato amayele ndingi na ndingi bazali na ekolo et maimaso bakosala to komona ete kozala échec kaka na échec et je crois peut-être nous devons changer de méthode, nous devons changer de stratégie parce que nyoso to kosala kozala ba échec totala basitoisto ingeli totala. Est-ce que l'on dit qu'on apporte dans l'école? Nous sommes des optimistes, nous allons voir ce que ça mais va apporter. Mais il faudra participer à la structure. Si seulement, ils allaient profiter de la population congolaise. Ce qu'il n'y a rien d'intérêt à trouver, on ne participe pas, on n'intègre pas la différence. Vous voyez qu'il y a des pays, il y a des pays où, avant ma quota, biso to kota kabe bi kote la to kota kabe na ba loyenge na ba donc sans réfléchir to yinge la kabe bon alors que il y a des pays où avant ba yinge la il faut apaiser ba pour et les contre on ne peut pas loko mo bimi bokei et loko mo bimi bokei bokei ba vraiment te et loko nini to sala participation je suis kozala nini et puis nenge to yinge les conséquences kozala nini to koto kabe bi koto. Nous avons commencé à trouver la structure de la RDC qui bénéficie de l'autre côté, mais les pays ont plutôt beaucoup de bénéficier de la RDC. Nous sommes bénéficiaires. Tout le côté, mais nous sommes toujours des perdants. Nous allons profiter. Nous allons profiter de la mission, mais nous sommes toujours des perdants. Mais il faudra chercher au mission politique qui va être à Yélé, au Yélé, pour être mission de gagner. Mais bien sûr que oui, il y a que des intérêts. Ils allaient dire que non, beaucoup, ils allaient qu'ils tournent. Non. La question des intérêts. Il y a que la question d'intérêt. Intérêt n'abisso est aligné. Il y a un lobby, RDC est bénéficié de quelque chose, là, ça sera le bienvenu. Mais ce qui est à la bonne côté, je crois que vous allez bien la structure, l'organisation, et puis RDC bénéficie de l'autre côté. Par contre, le pays où on a dit bénéficie de la RDC. Bon, trois questions de Patrick Tinda, top chrono, pour nous tous, Sili Sanayo. Et bien sûr, mon collègue Lélo, tout le monde est lobby devant les bâtiments administratifs, il y a un intérieur, il y a un bel élan, il y a un ganga.
Kabila zonga na pouvoir, Kabila zonga na pouvoir. De quoi Patrick Tina? On peut dire à Franck Diongo. Mais le peuple Beleli, Kabila zonga, toi zonga ti. Je crois, monsieur le journaliste, le parti MLP, c'est un parti sérieux. Ce n'est pas un parti malette, ce n'est pas un parti Oyo leader Nayango Azali caractérisé na Maïto Komo na Lelo Lobi Moto Azalaki Kabiliste Disson Lelo Komi Tshisekediste. Le parti MLP c'est un parti sérieux. Et c'est tellement gravissime lorsque les Congolais ou des partis politiques réclament le retour ya moto ou ya bomi ekolo et yemoko na suka a salaki bongo avait des chèques pour na koloba ete a koki ko transformer bato na ete et a koki ko pesa na ba Congolais et l'autre côté. Et je crois bato ba koloba bongo peut-être pour azali na capitale ba komona mwa mwinda mwinda ngopi to komona te na ebite eloko nini monsieur Kabila sali pona mboka 18 ans ya sali na ebonga. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Nous voyons le développement. Peut-être que c'est par si Mayakota là, comment Mokitani à M. Kabila, Azali Bongo Mwana Mboka, Félix à toi, tu l'as dit, Batouana, Bamoni était à Sali et l'autre côté, ou Bamandé Kozela, mais peut-être, comme Bissot, parti MLP, tout qui jamais, 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 j'ai dit jamais, ti Mokine Kozela, ko senga retu ya monsieur Kabila o to bundisaki to boya ko sala naye et jusqu'à la fin de tout ce que nous les gens que vous voyez ils étaient avec Kabila aujourd'hui sont avec bako talo même mabungu na bango ce sont des politiciens ventriotes de ko Patrick oh bako talo même mabungu na bango et moi je dois dire un mot na ba ba to ya lingona. On va retarder le intérêt, on n'a pas intérêt à peuple. De quoi Patrick Tinda, tout le monde déjà réaction dans les alliés vraiment misclé, hein, ma casse, la preuve année. Papa, de quoi journaliste. L'arrestation même, il y a Franck Diongo déjà pour attribuer à moi, à Joseph Kabila, par rapport à la gestion, à règne, pour qualifier déjà règne encore chaotique, improductif. Ce n'est pas seulement nous, les journalistes. Au cas où tu as été tiqué dans mon malo. Ah, tu as un souk, tu as un tac tac. Tu as un souk, mais c'est très important, ma yoko. Tu as un tic au tac. Et l'oko Sengelo Eba, les journalistes, Kabila n'a rien fait pour le pays et pour les Congolais. Ce qui Kabila, ça là, qui est l'oko, pour les Congolais et pour le pays, Shadar, il pouvait passer. Merci. Ce qui Shadar a l'écarté, c'est tout simplement puisque. Total, ba Congolais, ba oma mwoni Kabila seli, ba mwoye loko te. E moto anengo wana, akozonga po ayako pesa ba Congolais nini, oyako ayako pesa ba mwote. Merci beaucoup, Ondeko Patrick Tinda. Franck Diongo, président ya parti politique na yo, MLP, Bozali na Union Sacrée, to ebi Franck Diongo azaki na prison, Franck Diongo yo wana siliko bima, azali ko travaye, veille ya conscience, sensibilisation. Il y a population, il y a ambition d'un Congo nouveau, ambition d'un République démocratique du Congo prospère. Est-ce que vous avez comment on a Franck Diongo, Nassima Yalobi, Premier ministre à Mboka Labisso, sous bénédiction, il y a Félix Tshisekedi. Ndeko Mopandi Sango. Pemi, hein? Non, Yalobi. Pemi, au Bendi Logo la. Tout le monde a raoué à son abîme d'un maître Patrick Tinda. Bonne bézaïe, Panayo. Merci beaucoup, nouveau journaliste. Nako répondre na place à président de la République, non plus na place à mon amboka Franck Diongo. Parce que question, on a, et qu'on s'en a d'abord. Chef de l'État a proposé la mon amboka Franck Diongo et s'il va aussi. C'est ça ma projection, hein? Non, projection, là. Nous allons comme on a. Quand on dit Franck Diongo, Azali fidèle, Azali na Mokonzi Mboka, au-delà de tout, Azali kaka. Na Félix Tshisekedi, aucune intervention, aucune déclaration, ou Azali kokene na affront, il y a Union Sacrée. Est-ce que nous allons comme on a été Premier ministre Mboka Labisso? Na Lobibo, en fait, je crois, l'émission Mokon Abisakio, le parti MLP, dans la minute, tu as le droit de la retraite.
nous sommes en train de réfléchir, puisque tout ça là qui confiance totale dans mon ambo qu'a Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Vous ne pouvez pas trahir le peuple. Là où je vous parle, maintenant où je vous parle, le MLP a que ça là. Bongo, a que réfléchir. Ou ta, ton dimaka ko pesa maboko, na mwana mboka, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, et au moment où je vous parle, je crois bientôt, boza la kimia, parti MLP, azali parti Oyo, ayo kakanae somote. Ayo kakape sonite. Ayo kakape sonite. Soki lelo to koloba, to kangabisaka, to mima, je crois, on va le dire ouvertement. De coup Patrick Tibet. Nous sommes en train de voir, nous c'est le peuple d'abord. Nous c'est l'état des droits. Et face à tout ça, nous avons, on avait dit, on avait accepté la paix du chef de l'État, ou elle obaki, ba congolais a monté mon malam, ou ba zina société, ba sale la école, ba ya zinga zinga nae. Touye, tout moni ete, biso tous ali impliqué te, on se retrouve nulle part, et là, le parti MLP ne peut pas sacrifier son combat, ou ya bundi pour nous défendre le peuple et pour nous défendre l'école. Pour un sentiment moko il y a soit il y a bonga soit il y a loko moko boy non là nous sommes en train de réfléchir ton dima ki coupé sa maboko pour être totali sapé o ya biso nzebi maintenant là totali si nzebi angote on n'est pas dedans on ne gère pas est-ce que nous devons continuer comme ça et à la fin défendre un bilan oh biso tout ce qu'il faut gérer te ma question on a nié surtout pour réfléchir et je crois bientôt nous allons bientôt on va se prononcer là-dessus et ce qu'il y a tout dans mon corps pour tout cabanon de Patrick Tinda et le conini Félix Tshisekedi oh yo yebi oh bah tu as la vie super bah yebi ça ne veut pas yebi asa président de la République démocratique du Congo qui me t'a remplacé Joseph Kabila. Et là, on dit Félix Tshisekedi, à salité, oh, l'ingé à ça, là. À ça, il y a 3 ans, la pouvoir, et ce qu'il y a 2 ans. Notre patriotisme, là, tout comme moi, je crois que le mal pour le président de la République, c'est qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a solité, t'as la couleur? Non, non, là, oui. Oh, Yamabe, oh, chef de l'État, à sali, oh, Bissou. Moi, personnellement, mon amour, quand même, Patrick Tshisekedi, dans la sévérité, c'est le fait pour lui. Il y a qu'on changer de classe politique. Les mêmes personnes, Oyo Basalana, M. Kabila, aujourd'hui, ils sont là et ils font aussi rien. Et ils prennent le temps. C'est comme nous avons vu hier, entraîner l'équipe qui a mené, Bako Tshabiso, Mikele. Va bien coïncider là, mais afin de qui va changer le joueur moko, ti azeli na dernière minute. C'est ce que les chefs d'État sont en train de faire. La majorité des gens ne travaillent presque pas. Oh, tout ce qui monte ma, un seul ministre on a comment on a qu'on travaille ça, ben j'appelle Liaou. Oh, il y a quand même administration, tout moni que moi série ingeli, mais à part Jean-Pierre Liaou, na éviter ministre ni nga kusala kusala. Mais il est temps. Il est temps de qu'un journaliste pour le président de la République de voir. Et donc, puisque Mikolo Sili, peuple a ses pelités, alors que tout le monde dit pour le peuple d'abord, tout le monde koufi. Nous sommes des partis martyrs. Tout le monde dit pour le peuple d'abord. Peuple a ses pelités. État des droits, les lois, le peuple, il y a beaucoup à quoi, il y a beaucoup à déçu. Na état des droits pour batunyo sur bakangaka na ba détournement bazali sous soutien na prison le tombeau est vide et des journalistes même IGF je pense qu'il a comme koko mana est découragé puisque batunyo sur bakanga lobby justice s'est condamné quelques temps après babimi même en découvrir bakonga kulutu na ngai ba suspenda le lo directeur prison a perdu bonga na pona dossier ande konanga wili bakonga lelo ya monani bakwe na ete et ako circuler na ye en homme libre alors que directeur ya prison et père de famille a perdu musala likolo ya bobimi ya mona mboka
Willy Bakonga. Et des journalistes, tu connais bien sûr été Makamoto comme on en a école et que ça la saïté. Moté meko zoka du jour au jour, du jour au lendemain, moté meko zoka et na komi tuna. C'est une boîte à Pandore. C'est une boîte sur ce que vous voulez. Mais vous voulez que vous opposition. Est-ce qu'il fallait tout assister à ce scénario? Mais vous voulez que vous assistez à ce. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à votre émission. Dernière minute qu'on ait l'amabilité de recevoir ce jour Maître Patrick Tinda, qui est cadre du MLP. Il y a Kondo Franck Diongo. Toton Diongo. Kondo Franck Diongo. Kondo. Il y a pas un bon gars Franck Diongo. Toton Diongo. Mais Kondo Zali Moto a Koufa. Toton Diongo. Non, des journalistes. Kondo Zali Moto a Koufa. Non, Franck Diongo. Mais c'est gravissime. Merci beaucoup. Kondo Zali Moto a Koufa. Il y a moins un bon gars Franck Diongo. Moins un bon gars Franck Diongo. Moins un bon gars Franck Diongo. On a Koufité. Bon, il y a un bon maillet. Et on Koufa. Ce qui a Koufa, mais vous savez là, mon imam. Merci beaucoup, Maître Patrick Tinda. Une émission réalisée de main de maître par Joe Mukenga. Joe Mukenga était là, a été dans, au four, hein, au moulin, des. La réalisation de cette belle émission en dernière minute. Vous les savez personnellement bien, hein, comme si vous avez envie de continuer cette émission, mais on est obligé, trahi par les temps, on est obligé vraiment d'arrêter. On se retrouve demain pour un autre numéro. Ça sera avec les mêmes plaisirs qui nous animent d'ailleurs. D'ici là, portez-vous bien. Les programmes ne cessent de continuer sur votre chaîne Congo Live Télévision. Bonne évasion chez vous. Au revoir. I'm going to go to the next one.